verticale, hein, voilà. Donc après j'ai que la deux éléments en directive, mais ça fait 25 ans que j'utilise l'HB9CV. Voilà, déjà aussi entièrement satisfait de ma fabrication, franchement là, j'ai pas du tout à me plaindre. Voilà, Willy, très très bonne condition de trafic de votre côté, hein. De mon côté il n'y a pas d'artifice non plus. Hein. Le micro, c'est le micro de Chicom, hein, le CM30. Et puis après, voilà, j'espère que ma voix est à peu près celle que j'ai à l'origine. Voilà. Voilà, moi, je n'ai pas une voix très très grave. Bon, pas très aiguë non plus. Je suis entre les deux, moi. Voilà, je suis pas compliqué là, tu sais, Willy. Ok, pas de problème. Bah, je fais une petite vidéo avec la permission. Francis, vous me revenez. Hein, si c'est pas d'accord, je l'effacerai. Voilà, c'était juste pour marquer le coup parce que ça marche, bah, ça passe bien. Et c'est vrai que bon, bah, les reports comme ça, j'en ai pas beaucoup sur le QTH que j'ai. Hein, voilà. Enfin, moi, je suis dans une cuvette en plus. L'entron est placé qu'à 7 mètres. À 7 mètres du sol et entouré d'arbres, alors automatiquement je suis entouré d'une vallée. Voilà pour vous dire. Et je me suis permis d'enregistrer. Hein. Non, c'est très propre, c'est clair et net. Voilà, comme on dit, il n'y a pas mieux. Moi, après, voilà, je recherche un peu de profondeur parce que bon, j'ai fait de la hi-fi pour expliquer un peu. J'ai fait de la hi-fi avant avec du Mark 5, avec du 7410, avec du 7000, et c'est vrai que bon, bah après. J'avais les racks et tout ça, bon, j'ai tout arrêté, j'ai tout retiré, je me suis dit, bon, allez hop, avec un petit PR781 derrière, avec un petit réglage, en affinant un peu, hein, voilà, Francis, ça donne ça, et depuis, ben, je suis resté comme ça, du sobre, voilà, j'ai juste ça, j'ai juste le DK avec le micro, et voilà, point barre, avec une pédale que j'ai fabriquée moi-même avec un ancien micro président, et voilà, au moins ça me coûte pas grand chose à chiffre, Francis. Voilà, retour, mais très bonne module, hein, Francis. Très 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 bonne module. C'est monté à 9 plus 20, 20, 20, 25, voire 30. Alors ça marche, hein. Oui, oui, avec la permission, je fais une petite vidéo là, je le mets sur YouTube si ça vous dérange pas. Ben non, c'est avec grand plaisir, j'adore regarder les vidéos, hein. Je regarde énormément les vidéos que font les OM là, et franchement, c'est un plaisir de les regarder. Je sais pas, vous connaissez, je pense, Ludo, hein. Fredo, pardon, l'opérateur Fredo, également l'opérateur Cédric, je regarde souvent leurs vidéos, je regarde également les vidéos de l'ami. Qui se trouve sur le Portugal, là. Voilà. Donc, moi, j'ai regardé énormément de vidéos. Je prends plaisir à les regarder parce que c'est vrai que il y a de superbes vidéos. Voilà. Puis après, il y a de. Même si moi, je suis pas dessus, je prends plaisir quand même à regarder les contextes qu'ont fait les OM. Voilà, oui. Mais il n'y a pas de problème. Donc, pour la regarder, il faudra que je tape votre indicatif, c'est ça? Ah ouais, bah, juste 14 FAT 118, hein. Voilà, hein, 14 Florida, Alpha Tango, 118 Willy. Et normalement sur YouTube on les trouve. Hein, on les trouve parce que bon bah de toute façon on voit bien le. Bon, c'est avec une petite webcam, hein, de chez Microstuff. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Et moi je les mets. Avant je faisais un peu de montage, hein, simplement, mais maintenant je les mets en direct comme ça avec l'indicatif de l'OM. Et voilà, bon là il y a un peu de QRM quand même aujourd'hui. Vu le temps qu'il fait dehors, c'est un peu normal. Mais bon, la voix passe bien. Alors après, faut avoir quand même un peu d'enceinte, comme on dit, sur le PC pour vraiment avoir un peu la reproduction. Hein. Je pense, Francis, vous me le direz pas le contraire, parce qu'après, c'est vrai que sur un portable, c'est pas pareil. Hein. Ça rend pas du tout pareil. Voilà, retour, Francis. Disons, je vais m'équiper là pour faire des vidéos. Bon, après, c'est pas pour me truquer, mais bon, j'ai une superbe réception ici. C'est vraiment du téléphone en réception. C'est vrai que l'icône pour ça a une très très belle réception. Donc, voilà, je vais essayer de faire des vidéos
parce que je contacte souvent pas mal d'opérateurs là, du nord de France que j'ai déjà contactés, et ça me ferait plaisir de les enregistrer pour qu'ils puissent écouter, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe sur Toulouse, parce que encore hier soir, là, j'avais des stations qui m'arrivaient plein pour le manivelle, là, avec des modulations vraiment sensationnelles, voilà, donc ça me ferait énormément plaisir de faire écouter un petit peu tout ça. Voilà, oui, mais j'irai voir ça, donc c'est FAT, hein, j'avais mis, je sais pas pourquoi, FAT, j'avais mis, donc j'ai rectifié, c'est Foxtrot Alpha Tango 118, c'est ça, Willy, hein? Ouais, FAT, c'est ça, Foxtrot Alpha Tango. FAT, Florida Alpha Tango. On peut dire 14 FAT ou Foxtrot, voilà, c'est pareil, hein. FAT plutôt, voilà, Florida Alpha Tango. Voilà, FAT, Willy. Mais moi, c'est parfois, je dis ça, hein. Foxtrot Alpha Tango, sur les longues distances, parfois, ça passe pas. Et ils arrivent à choper comme ça, voilà. Mais non, FAT 118 Willy, et normalement sur YouTube, on tombe dessus, hein, il n'y a pas de problème, Francis. Ça a redescendu un peu, mais bon, je vais couper la vidéo, comme ça je vais pouvoir la faire dès maintenant.